sol. Richesse culturelle, mais aussi terre qui abrite les plus belles femmes au monde. De teint clair ou basané, de silhouette fine ou curvilignes. Bien au-delà des apparences, ce sont des femmes fortes et intelligentes. Des femmes de valeur. Bienvenue à Miss Congo 2016. Bien plus qu'une simple Miss, nous recherchons la Moseka, la beauté qui change le monde. Ce lancement qui se fait, c'est pour que nous puissions faire participer la beauté congolaise à la promotion de la destination de la République démocratique du Congo, parce que la destination de la République démocratique du Congo est parmi les meilleures destinations du monde. Miss RD Congo, c'est parti. Par milliers, des quatre coins du Congo, elles ont répondu à l'appel de Moseka. On a fait l'appel national et du fin fond de la RDC, mais aussi de l'extérieur. Je suis étudiante en art et design en France. Étudiante en comptabilité financière à Johannesburg. Après un tour du Congo, une sélection rigoureuse, elles sont 24 parmi ces jeunes filles pour qui le rêve peut devenir réalité. Pour se faire une série de challenges pour révéler leur véritable personnalité. Voilà, elles sont 17. L'aventure continue pour elles. Comme le thème de cette semaine, c'est une Miss, un village, on va vous demander d'essayer de faire connaissance avec votre père. Une Miss, notre tradition. Une femme, c'est pas seulement les physiques, il faut aussi savoir faire le marché. Le poisson dans l'eau, il est encore vivant. Mais c'était une blague. J'ai choisi de faire le Lituma, le Libondo. Une Miss, une créativité. Ce ne sont plus les Miss qui ne présentent que leur corps. Ce sont des Miss qui présentent aussi leur esprit, leur génie. C'est un peu difficile pour moi, mais je me suis bien en sortie. L'histoire qui représente ce cadeau, c'est magnifique. Donc vraiment, on va gagner cette année. Le groupe gagnant. C'est la table qui a été sculptée avec le tableau. Il donne par exemple 30 préservatifs et il dit qu'il est en train d'aller finir ça tout d'un coup. Ça, c'est tout ce qu'il y a de triste. En ce qui concerne la fondation Matumaini, c'est un endroit où les enfants, on les a encore sauvés, je dirais, pour moi. Dans 10 ans, quand tu auras 21 ans, je vais te voir une femme indépendante. Ça m'a vraiment touchée, leur histoire. La motivation, ils ont acquis que tout que vous récoltez, fonds. La pigma, bisoto kenda qui coloca kosa la moi sport moko boye publicité. Un tout petit geste de notre part pour soutenir l'avenir de nos enfants. Blandine, avant d'agana pas kajuma. Blandine abimana Patrick, abimana les sous agent. Est-ce que vous savez que chaque jour, 1866 jeunes baza infectés na VIH. J'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait de bien pour beaucoup de gens.
Je suis super contente. Et ce congélateur, je vous jure que vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Vous avez changé notre vie. Une miss, une carrière. Donc moi, on m'a dit en termes de gestion d'entreprise, on m'a dit voilà, il faut venir voir parce qu'on a des misses qui vont monter des entreprises. Je suis coach professionnel. Vous avez, de manière très classique, les diplômes et formations. Avec mon CV, j'ai essayé de l'encombrer. Donc elle m'a appris que c'est pas toujours nécessaire de vouloir trop faire. Après l'analyse qu'on aura faite de votre projet, on va pouvoir tout émettre par écrit et éventuellement vous inviter pour une séance de travail. Elles sont femmes entreprenantes. En tout cas, moi j'ai aimé l'idée de ce que le Miss font. Je suis une Miss. Je suis une ambassadrice. Bienvenue à Paris, mesdames et messieurs. Trois heures de route pour arriver au château. J'avoue que voir une propriété aussi grande et un château aussi époustouflant, c'était vraiment la première fois pour moi. Le château a été construit en 1840. Je pense que chacune va déclencher une personnalité, va déclencher un rôle, et c'est ça que je dois aller chercher. Je m'imagine Belle. Hey yo, mi amor, mon amour, sache qu'aujourd'hui tu es à moi. Hey yo, mi amor, mon amour, sache qu'aujourd'hui tu es à moi. Ah bébé, des kilos, tu peux pas me laisser, je t'en super. Je me rends bien compte que c'est pas facile de représenter un pays. Heureusement qu'on est coach et qu'on est assez bien suivi. Donc, mon moment, c'est pour ça que je suis sortie là. Candidate à l'élection interne pour 2016. Quel âge? J'aurais 20 ans le 28 août. Tiens, c'est bon, tu es arrivé. Dès que tu as passé 18 ans, ça nous arrange. Congo, il y a des jolies femmes. Surprise, surprise, Trace TV. Un peu plus proche de moi, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. La télé-réalité, c'est un peu particulier parce que finalement, on montre les bons côtés et les mauvais côtés des personnes qu'on a en face de nous. Et c'est beaucoup plus vrai que d'autres élections de Miss. C'est pour moi une façon d'honorer mon pays en portant ses drapeaux. Une Miss, une conviction. L'une d'entre elles sera couronnée Miss RD Congo. Est-elle capable de vous convaincre? Que comprends-tu par la beauté qui change le monde? C'est une belle femme, une ambassadrice qui serait la voix des sans voix. J'aime beaucoup Paris, elle a une très belle vue, mais je préfère encore Kinshasa. Je me sens à l'aise, oui, mais quand j'ai des longs cheveux. T'as pas l'impression que tu triches? Je dirais pas que je triche. Plus qu'une marche avant de toucher le Graal et devenir la Moseka de toute une nation. La mission est de taille. Sera la Moseka. La gagnante, chers téléspectateurs, de Miss RD Congo 2016 est...